Nous y revoilà, en partie 2, au chemin de travers. Alors, on va aller voir là si c'est ouvert. Je peux pas passer par là. Ah, ok. Une sorcière là. Une porte ici. C'est pas par là. On va pas y aller non plus. On peut y parler. Gilles de Roy-Lecart a été 5 fois lauréat du prix du sourire le plus charmeur, remis par l'électrice de sorcière Elito. Oh, on s'en fout. Il le mérite amplement. Harry! Harry! On espérait que tu n'avais pas atterri trop loin. J'étais très inquiète. C'est pas peine de me secouer, hein. Ça n'a pas l'air d'aller. Bien marché. J'ai perdu toutes mes affaires dans les cheminées que j'ai traversées. Je pourrais peut-être aller les récupérer. C'est très gentil de ta part, Harry, mais je crois que tu devrais d'abord faire tes achats. Où dois-tu aller? Chez Fleury et Bott pour un exemplaire du livre des sorts et enchantements niveau 2 et chez l'apothicaire pour une nouvelle fiole de potions. Eh bien, allons tous chez Fleury et Bott. Ceci te sera utile. Elle est tombée dans la cheminée quand tu as pris la poudre de cheminette. Merci, Madame Wesley. Viens, Harry, allons chez Fleury et Bott. Tiens, on y va. Ce serait pas un petit peu amoureux, par exemple. Parlez de quoi, mesdames? C'est bon. Alors, je sais pas où aller, à droite, à gauche. Je sais pas où elles sont parties, en fait. On est arrivé par là, là. Enfin, une petite balade, hein. On va visiter le quartier. Fermé. C'est pas par là. Ah, tu vas voir la nuit. Je fouine partout, hein. Je suis comme ça, moi. Hey. Ça nous a sauté dans le... partout. Alors, où vais-je aller? C'est grand, hein, il y a du monde. Un petit passage en ligne. C'est quoi là? Ça doit être par là, non? Une porte. Ah bah voilà. Nous sommes fermés. Je suis en train de nourrir les animaux. Ah bon, bah alors pourquoi la porte était ouverte? C'est qui m'a parlé? Est-ce que c'est ouvert ça? Je peux l'ouvrir. Oui. Je sais pas ce que c'est. Une paracitrouille. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Il y a des trucs chelous là-dedans. C'est bien fait, hein, quand on... Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, je pense pas que je puisse passer par un moment. Je regarde ce qu'il y a exactement. Il y a des cris bizarres. Bon, en tout cas, je peux pas y aller. J'ai ramassé un truc, pas bien pour rien. Demi-tour. Alors, donc là. Bon, faut que j'aille à voir, je pense. Faut des fois, y'a aussi. Ah là. Voilà, ici. Non, fermé. Pas par là. Je ne peux pas entrer par là.
Je le sentais que c'était ouvert ici, je sais pas pourquoi. Un sentiment étrange. Elles doivent être là, les dames. Ah, quoi que. Alors là, c'est pareil, hein. Ça m'a l'air bizarre. Hein. Pas la même ambiance que là-bas. On n'entend pas des monstres. On entend comme des clowns. Toi qui rigole comme ça. Il a l'air plus sérieux maintenant que je m'approche. Je veux dire ce qu'il y a autour. Là, je vais le mettre, mais il fait le fou. Combien pour des boules puantes? 4 mornies, le paquet de 10. Je sais pas si j'en ai besoin. Des boules puantes. Je sais même pas si j'ai de l'argent sur moi. Cette pièce. Un passage secret ici, on peut pas y aller. Une petite trappe. C'est bizarre ça. Des feux d'artifice. Donc je suis arrivé de là, je suis déjà là, peut-être, je sais pas, on va voir. Non, c'était le porte. C'était le porte. C'est pas par là. Ah, ah oui. Bah alors, ok, c'est fermé, j'ai vu. Là, je peux pas, là, quand même. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose qui m'échappe. Bon, bah, je vais continuer ma route. Hein. Au revoir. Peut-être à plus tard. Mais elles sont là. On dirait que tu as oublié quelque chose, Harry. Ah bon? Tu devrais regarder dans ton rappel tout. Ah, je devais, je pense, aller dans la cheminée pour retrouver les affaires de la fille. Acheter un livre de sort et ah non, faut que j'achète un livre de sort. Chez Fleury et Bott. Ok. Ok, ok. Je suis pas allé là, c'est peut-être là, là. Fleury et Bott. Ici. En plus, il y a des bouquins devant. Ouais, c'est là. Trouvé. Alors, nous voici dans une librairie ou une bibliothèque, je sais pas. Emprunter la porte. Cette cicatrice, vous êtes Harry Potter, n'est-ce pas? Ouais.
ce gîte de Roi Lockhart est vraiment fascinant. Et bel homme avec ça. Ah mince, j'ai plié. Oh, c'est ça que... Combien coûte ce livre? Le livre des sorts et enchantements niveau 2 de Miranda Fauconnet. Oh, et Mornille. Mais encore? J'en prends un, s'il vous plaît. Et voilà pour toi. Ce livre te permettra de lancer des sorts plus puissants. Voici une astuce tirée du livre, rien que pour toi. Concentre la puissance dans ta baguette et lance ton sort quand il est prêt. Mais prends garde à ne pas trop concentrer ton sortilège, car ça peut être dangereux. Chapitre 1, ok. Oh, j'ai de la lecture là. Eh, oh, ils ont vraiment cru qu'on allait lire tout ça. Bon, au revoir. J'ai toujours pas d'aller là. C'est bizarre le bruit, on dirait que quelqu'un qui tousse, mais bizarrement. On repart. Madame Wesley, j'ai hâte d'essayer ce que je viens d'apprendre. Où as-tu perdu tes affaires, Ginny? Je crois que j'ai laissé tomber ma balance lorsque je suis passée par la cheminée de la ménagerie magique. Je suis sûre que ma nouvelle plume est tombée au fond de chez Pirouette et Badin. Et j'ai vu Hagrid quand j'ai perdu mon ruban adhésif. Donc il doit être quelque part au chaudron baveur. La ménagerie magique, Pirouette et Badin et le chaudron baveur. Bien compris. Merci beaucoup de ton aide, Harry. C'est si gentil de ta part de faire cela pour Ginny. Oui, Harry, merci beaucoup. Allez, vas-y, montre-nous ce que tu sais faire avec tes nouveaux sortilèges. Je parie que tu peux détruire ces tonneaux. Il y a de l'amour dans l'air. Donc détruire les tonneaux. De quel tonneau elle parle? Oui, je crois que j'ai pas trop le choix. J'ai tout ça à faire. Trouver la balance de Ginny, trouver la plume de Ginny, trouver le ruban adhésif, acheter une fiole. Ok, bon, on va y aller alors. Moi, je crois qu'il voulait une démonstration. La magie. Bah, je vais y aller là-bas avant, je suis pas allé. Ah, c'est pour voir la sauvegarde ici. Bon, pour l'instant, j'ai pas besoin. Ça n'a rien de passé depuis, donc c'est pas la peine. Disons qu'on n'a pas vraiment eu d'épreuves jusque là pour le moment. Ah, c'est Hagrid là-bas. Bah alors Harry, t'as du coup. C'est joli la lumière là avec les reflets et tout là. Bon bah, j'ai envie de les visiter avant d'aller voir Hagrid. C'est quoi ça, une clé? Ah, je peux pas aller la prendre. Il y a un truc qui gigote là. Ouais. Mais je t'ai pas raconté. J'ai eu des tas d'ennuis avec des limaces récemment. C'est tout ce que t'as à me raconter. Il y a des ennuis avec des limaces.
perc. Je peux pas passer par là. Ah, dommage. La voix de Harry dans le jeu vidéo, c'est plus joli en français qu'en anglais. Alors, il n'y avait rien à me dire, voilà. Le chaudron baveur est le meilleur pub de Londres. Il a une cave extraordinaire. Norbert me manque. Je pense à lui presque tous les jours. Bon, en gros, il me raconte sa vie. Hein. Bon, bah, on se casse. Je retourne là où j'avais pris la cheminée. Je pense que c'est là qu'il faut que j'aille. Combien pour des boules puantes? 4 mornies, le paquet de 10. Je n'ai pas assez. Ah. Je crois que c'était fermé là, il y a rien à faire. Mais pas ça tout à l'heure. Je ne peux pas entrer. Ah bah je suis mimuse. Ah bah, comme quoi en faisant mimuse, hein, on trouve des trucs. Hein. Est-ce que je peux me baisser là? Je suis pas bon pour me baisser là. Ah, j'arrive pas à savoir comment faire. Ah, c'est comme ça. J'ai découvert ça par hasard. Mais parce que j'avais vu le message tout à l'heure. Enfin, j'avais pas lu jusqu'au bout. Mais voilà quoi. Du coup, ouais. Ah, par contre, je peux pas passer. Il y a encore un truc qui gigote là. C'est quoi, une clé? On dirait une plume. Ah, ça, je peux ouvrir ça. Ah, hein, c'est un crapaud. Ah, viens, je te mange. Je sais pas si j'avais toute ma vie déjà, mais... Tant qu'à faire. Il y a une porte, là. Je peux passer ou pas? Apparemment, non. Ce qui est bizarre, c'est que ça me dit pas si c'est fermé. Alors, je sais pas du tout comment faire pour prendre les bidules là. Bon, on va retourner à voir. De là où j'étais arrivé. Je pense qu'il faut que c'est par là qu'il faut que j'aille. Ah mais j'ai pas vu ça tout à l'heure. Le grand bâtiment là. J'avais fait le reste. Hein.
genre là, je suis allé de... Ah, apparemment non. On va jeter un coup d'œil. Je crois que le grand bâtiment, là, c'était la banque. Là. Là, je suis pas venu. C'est quoi ça, des champignons? C'est idiot. Excusez-moi, combien coûte cette fiole de potion? Oui, mon mire. Je n'ai pas assez. Ah. Non, pas par là. C'est sûr qu'il va falloir que je revienne, mais plus tard. Ici. Ah bah là, ici, c'est ouvert. Il y a pas mal de trucs d'ouvert, contrairement à tout à l'heure. Ah si, je suis déjà venu ici. On va, on se casse. Non, c'est là où il y a la cheminée qu'il faut que je retourne. Je vais peut-être voir au grand bâtiment déjà d'abord. C'est bon, c'est fait. Non, pas par là. Pourtant, c'est bien de là que je suis arrivé, non? Ouais, c'est même sûr. Alors là, je comprends pas. Attends, je vais regarder le truc pour que je me remémore. Trouver la balance, nanana. Faut que je retrouve les affaires de Ginny, ça je m'en souviens bien. Oui. Et acheter une fiole de potion chez l'apothicaire. Je suis pas déjà allé là-bas. Donc j'avais pas assez de sous, je sais pas quoi. Bon, on va revisiter un peu toutes les maisons. Je peux pas passer par là. Fermé. Je peux pas passer par là. Je peux pas passer par là. Une porte, mais elle sert à quoi? À rien. Je vais regarder ici. Je ne peux pas entrer. Non plus. Je ne peux pas entrer par là. Là, y a rien. Rien, c'est des passages secrets, hein, c'est la merde. On va aller voir ici. Non, attendez. Maintenant, je suis arrivé par là, donc je vais pas y retourner. Puisque c'est fermé. Allez, là-bas.
Regardez là, c'est vert. Tu peux te pousser toi, merci. Ah, l'apothicaire. Voilà, j'ai trouvé. Là, je vais pouvoir avoir une potion. Normalement. C'est ce qu'il m'a demandé en tout cas. Donc, ouais, j'étais déjà venu là. J'espère que ça va être bien. Excusez-moi, combien coûte cette fiole de potion? Oui, mon meilleur. Je n'ai pas assez. Voilà. Il faut ça, mais... Je peux pas passer par là. Il faut ça, mais j'ai pas l'argent, apparemment. Je pense qu'il faut d'abord que je trouve les affaires de Jenny. Et après, en récompense, je pense que je devrais pouvoir avoir de quoi payer pour acheter la potion au monsieur. Je pense. On verra bien. Enfin, d'abord que je trouve où est-ce qu'il faut que j'aille. Enfin, c'est ouvert ici. J'avais déjà visité le quartier, donc je sais pas ce que... Je sais pas où chercher ces affaires en fait. Donc, je cherche un peu partout. Nous sommes fermés. Ah, ouais. Je suis en train de nourrir les animaux. J'avais déjà ouvert ça l'autre fois. Ah mais il y a un truc encore. Il me semblait que j'avais déjà ouvert l'autre fois, il y avait ça. Ça se trouve, il y en a à chaque fois que je rentre. Enfin, peut-être pas dans la même journée. Mais... Bon ok, bon bah on se casse. Je sais pas à quoi ça me sert en plus les citrouilles là. On le saura peut-être plus tard. Peut-être que vous le savez déjà, surtout si vous y avez déjà joué au jeu. Ou déjà vu un let's play auparavant. Alors... Et voilà, fermé. En plus, c'est un glacier. Ça me donne envie de manger une glace, là. Je ne peux pas entrer par là. Donc, je fouille, hein. Je peux pas passer par là. On peut passer où, là-dedans? Ok, il y a rien du tout en fait. C'est des OM l'argent que ça s'appelle. Bah, elle est où la porte de sortie là? Là-bas. Porte quoi? Eden il est déjà perdu. On est qu'au début du jeu, hein. Faudra au moins que j'arrive à aller à la moitié quand même. J'ai la honte sinon. Alors. Ici j'étais déjà allé, oui, pour le livre. Je sais pas du tout où chercher ces objets à l'autre. Ici même ça se fort. Elle est pas bavarde lui. Ah c'est lui là qui. C'est elle là qui fait ce bruit là tout le temps. Elle a attrapé le coronavirus. Et tout le monde tousse là-dedans, on se casse. Elle a attrapé des microbes. Face, je suis pas allé, je sais plus. Non, c'est fermé. Pas par là. C'est le royaume du hibou. Non, pas par là.
Bah, faut que j'aille où alors? C'est pas par là. Non, pas par là. C'est glacé ça, ouais. Ah, ça fait ça quand je tape sur les gens. Et en plus, ils disent rien. Il m'a juste regardé, lui. Et elle. Eden, il fait n'importe quoi. Oui, mais je sais pas quoi faire là, vous m'embêtez. J'ai pas compris. S'il te plaît, retrouve mes affaires. Mais elles sont où tes affaires là? Tu m'énerves avec ça là, tu es un mignon. Ah, je suis pas allé par là. Mais je suis pas allé par là, c'était là en fait. Enfin, je crois. Je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai dû faire demi-tour et il fallait pas. Moi, dans ma tête, je croyais que c'était qu'il fallait revenir vers la cheminée là où j'avais été atterri. Même si je suis déjà venu là, c'est où il y a Hagrid. Même qu'il m'est pas d'une grande aide. Ah oui, j'avais vu aussi cette pièce là. Même que je peux pas attraper le truc. Genre, il peut pas sauter par-dessus les trucs là. Non, mais sérieux quoi. Là aussi, il était malade, j'ai entendu quelqu'un éternuer. Il y a bien plus que de la vie Robert dans la cage, monsieur Potter. Fallait que je parle à lui, peut-être. Ce que j'avais pas fait l'autre fois. Non, ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Il y a bien plus que de la vie Robert dans la cage, monsieur Potter. Ouais, mais franchement. Mais je t'ai pas raconté. J'ai eu des tas d'ennuis avec des limaces récemment. On s'en fout. Bon, j'étais pas assez bien fouillé l'autre fois. Il doit bien avoir quelque chose à faire ici. Je ne peux pas entrer par là. Ok. Je crois qu'il y a un autre passage par là. Je peux pas passer par là. Ah là, bah maintenant si tout est fermé, moi je comprends pas là. Parler aux gens, hein, on va voir. Mais ils parlent pas. J'essaie de leur parler, mais. je suis un méchant Harry Potter. Attends, je vais lancer ça avec lui. Il fait rien du tout. Oh, ils s'en foutent, hein. C'est quand même dingue, quand même. Eh, ça se trouve, je dois me faufiler quelque part. Comme j'avais fait l'autre fois, là, sur les côtés. Oh, mais non, c'est pas l'air, là. Ah, c'était comme ça qu'il fallait faire. Ok, ça y est, j'ai compris. Ah, bah, par contre, est-ce que j'ai réussi à attraper le. Ouais, normalement, c'est bon. Ah, puis c'est bien l'argent qu'il me faut en plus. Alors, par contre, une fois, j'en avais vu un aussi, mais je sais plus où c'était. Un truc comme ça qui brillait. Je semblais qu'il y en avait un autre, mais je sais plus c'était où. Il y aura bien. Hein. Bon, bah. En fait, il suffit de chercher un peu, hein, et au bout d'un moment, on trouve.
Alors. Bon. Je vais m'amuser à tout exploser maintenant. Et puis il y a des dragées dedans. Ouais, parce qu'en fait, faut que je fasse ça et puis. Faut que je m'approche comme ça de la cible et hop, je lance le truc. Il y a un truc là. Ah non, c'est une lampe. Voilà, maintenant je vais faire ça à chaque fois. Je peux pas sur le coup. Bon. Bon, en tout cas, j'ai capté. Ah. Il y en a d'autres ? Oui, il y en a d'autres. Non plus. Il y a des méchants là. Ah oui, mais ça les tue pas en plus, ça les met juste sur le dos. Ah, c'est qui m'a fait ça? Non. Je vais attaquer par des tortues. Ok, donc je suis obligé de... Oh là. Ah, elle a disparu la dragée à cause de toi là, salopard. C'est quoi qui fait ça là? Ah d'accord, ça tombe tout seul en fait. On a dit que c'est que les petits tonneaux. Le petit qui est là, là. Mais il est en hauteur. Je peux pas sauter en fait. Il faudrait une ou deux choco-grenouilles aussi avec ce qui s'est passé là. Wow. Où est-ce qu'il faut que j'aille maintenant? Là, il part. Alors moi, je tire partout, hein. Je suis dingue. Oh là! Encore du plancher qui se casse la boule. En fait, ça fallait pas du tout que je saute, je pense. Non, attendez. Je réfléchis un peu là. J'aurais pas dû sauter là. Ah, j'arrive pas à grimper. Là, non plus. Ah, mauvaise nouvelle, les gars. Je me suis piégé tout seul. Je suis en prison, là. En prison dans les égouts, apparemment. Ah, il y a une échelle, là, j'avais pas vu. Oh là là. Je suis milieu, hein. C'est vrai que je suis plus fort en Pokémon, hein, ça j'assume. Alors attendez, que je regarde. Ah, j'arrive pas à...
Ouais, alors comment je fais pour aller là-bas maintenant du coup moi? Ah peut-être comme ça. Ah voilà. Mais genre je me souviens pas du tout quand j'étais petit, parce que j'avais le jeu quand j'étais petit, mais je me souviens pas du tout de tout ça. Hein. Je me souviens pas qu'il fallait réfléchir autant. Ah, faut que je pousse ça. Ok. Alors. Ensuite. Ok, j'ai poussé le truc, mais maintenant, faut que je fasse quoi? Bah. C'était quoi ça? Ah, faut peut-être que je le repousse encore là, non? Non. Ah, si. C'est bon, on va y aller là. Eh mais jure, il est tombé par terre. Ah non, vite, vite. Bon bah c'est mort. Ils ont tous disparu, sauf un. Hop. J'ai mis trop de temps avant les attraper. Du coup ils disparaissent avant. Ça c'est bête ça. Du coup là on va y aller ici. Ah d'accord, on voit rien. Ah c'est quoi cette pièce là, wesh? Ah attendez, je vais faire ça. Oula. C'est étrange quand même. Ah bah voilà, il y a un passage secret, c'est bien ce que je pensais. Ah on revient... Ah oui d'accord. On revient de là en fait. Ils ont parlé de Cinemas encore. Je ferais mieux de partir. Ah bah ça y est, c'est fait. Si, si, tu m'as raconté déjà. Donc, normalement, je devrais. Ah! Il y a ça. Oui, j'avais pas pu le ramasser tout à l'heure parce que le truc il s'était ouvert au sol. Ah, donc le truc, l'autre truc que j'ai vu qui brillait l'autre fois là, c'était un. Justement. À la fille là. Merde. Du coup, je pouvais pas le prendre, enfin, je pense. Ah ah, faut que je retrouve, je sais plus du tout où c'était ça. Et je crois qu'il me reste deux choses à retrouver en fait. Bon, déjà j'ai trouvé une chose donc je vais sauvegarder, on va trouver le reste après. Allez! J'arrive pas à sauvegarder maintenant. Ça y est quand même. Yes. On galère un peu. Enfin, je galère un peu. Je me souviens s'il y a des petits tonneaux, tout ça. Ceux-là, ils s'explosent pas, par exemple. Je retrouve l'endroit où j'avais vu un objet aussi. Je t'en ai trouvé un objet. Tu es allé voir chez Clégoat et Bada, Harry? Ah non. Bon bah faut déjà de partout encore chercher. Chez Bada, elle a dit, je sais pas quoi. Non, pas par là. Eh mais en fait. Maintenant que j'ai de l'argent. Ah, c'est ça, Badin. Je retiens pas les noms des maisons. Non. Alors.
trop cher pour moi. Ouais, il manque un peu d'argent, quoi. Merde. Ah, c'était pas là que j'avais vu un truc. Non. Non, c'est des passages secrets. Ah oui, il y avait ce passage-là. Ah, je suis pas fait de... Un passage secret. Là. Voilà, c'est de ça dont je parlais. Et le jour où... Enfin, la fois où on était là, c'était il n'y a pas si longtemps, hein. C'était hier. Et ben, j'ai pas eu le réflexe. De... En fait, fallait faire ça, tout simplement. Et en plus, je gagne plein de sous, là. J'ai 10 millions, là. Oui, je suis riche. Et ça, je peux m'acheter une maison avec une piscine et tout. Le rêve. Ah, c'est quoi? Une grenouille. Comme l'autre fois. Donc ouais, c'était ça qu'il fallait faire l'autre fois. N'importe quoi, hein. C'était tout bête. J'avais pas repéré ce truc, en fait. Ah, vous devez vous moquer de moi, là. Enfin, pour ceux qui savaient, en tout cas. Oh, la honte. Alors... Bon. Ah bah, maintenant que j'ai de l'argent... Combien pour des boules puantes? 4 mornies, le paquet de 10. Je peux, maintenant. Des boules puantes? Je sais pas quoi ça va me servir, mais... Eh mais attends, hein, je voulais pas en acheter autant. Hein. Ok, alors lui il a tout. J'ai donné tout mon argent. Enfin presque. Pas du tout ce que je voulais faire. Hein. C'est quoi les boules puantes donc? C'est ça. 15. Bon. Attendez, j'ai pas lu, ça sert à quoi? Lance la boule puante pour créer un nuage de fumée verte nauséabond. Ah, ça doit être pour pas que les ennemis me repèrent. Je pense que c'est pour ça. Ça doit servir à ça, je pense. Attendez, je remets juste ça. Voilà. Voilà. Il nous reste un objet à trouver. Ouais, une balance. Et acheter une fiole. Bah oui, mais là j'ai j'ai tout dépensé dans les boules puantes par accident, hein, parce que j'ai acheté deux fois le personnage. Tout ce que je voulais. Hein. Je peux pas passer par là. Citrouilles à chaque fois qu'on vient.
Eh mais attends, ça veut dire que je peux passer là. Bah ben, voilà. Chose que j'avais pas repéré tout à l'heure. Tiens, là, j'ai rendu le truc là, du magasin. Ouais. Quoi là, c'est un escargot géant, on dirait, tu vois. Bon, je rentre par effraction, comme on dit. Tu m'as entendu, petit? Désolé. Nous sommes fermés. Venez ici. Franchement, les jeunes d'aujourd'hui. Quelqu'un incarne le cochon. Que je passe inaperçu. Ah oui, d'accord. Oh, ça va être compliqué. Il n'y a pas la cape d'invisibilité comme dans le 1 là. Attendez, ce que j'ai brûlé le film. Il va falloir faire le plein de morts. Les tout en poil sont à fond. Je me demande si le bruit d'un sortilège pourrait le distraire. Je vois pas où il est, mais du coup. Ah, il est là. Attention. Je me demande si le bruit d'un sortilège pourrait le distraire. Je vois pas où il est. Merde, il est là. Je sors. C'est fait pour moi. Ouais, on va y retourner. Je me demande si le bruit d'un sortilège pourrait le distraire. Mmh. Ah. C'est pas très pratique par contre parce que. Ah, les. La... L'objectif là. Bon, j'arrive pas à ouvrir la porte là. Il suffirait que je passe inaperçu. Ah, il m'a vu le coup. Il va faire quoi là? Sors et que je ne te revois plus. Ou je te lance un bloc géant qui t'immobilisera pendant 50 ans. Alors moi le problème c'est que au niveau de la visibilité c'est pas terrible. Et la porte est fermée, donc je sais pas où faut déjà moi du coup. Ça va être compliqué, je le sens. Il suffirait que je passe inaperçu. Je me souviens plus, pas du tout, mais vraiment pas du tout de ce passage de quand j'étais petit en train de jouer à ce jeu. Non, j'ai du mal à. Ouais. Je vais essayer de jeter un. Est-ce que je pourrais mettre une bombe puante? Je sais pas qu'est-ce que ça ferait, on va voir. Non, là. Ça, c'est quoi? Oui. Je sais pas du tout. Ah oui, attendez. Je panique là. Il suffirait que je passe inaperçu. Oh, il m'a vu encore. J'ai gaspillé un truc en plus. Prenez pas les pieds ici. Ah, mais je sais pas comment on va faire, les gars. J'arrive même pas à bien voir et tout, là. C'est chaud. Moi, je sais pas si c'est moi qui manipule mal la manette ou. Parce que j'ai pas le choix, hein, faut y aller. Hein. Par contre, je sais pas du tout où faut que tu passes, que la porte est fermée. Je passe inaperçu.
suffirait. Ah, j'arrive pas à voir. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? Il va me voir. Il est bouté. Peut-être que je prenne un truc dans les cadeaux. Ah non, je vais faire ça, mais... Il suffirait que je passe inaperçu. Je peux faire ça. Ça ne dit pas du tout qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Trouver la balance, oui, ça ok, mais alors pour passer là. Il faut décoincer le crâne de feu. Ah si, j'ai vu tout à l'heure. Ça ne peut pas faire de bruit. Il va falloir faire le plein de morve. Les tout en poils sont affamés. Ma sœur. Oh putain, les gars, ça m'énerve. Il faut changer l'eau, les traînements à double. Non, mais j'arrive pas du tout à voir. Bon, c'est le bouton là-bas. Là. J'ai compris. Je me demande si le bruit d'un sortilège pourrait le distraire. Il va falloir faire le plein de morve. Les tout en poils sont affamés. Si j'y vais doucement, je devrais pouvoir passer sans qu'il me voie. Il m'a vu. Ça, c'est pour ouvrir la porte. Si j'y vais doucement, je devrais pouvoir passer sans qu'il... Mais j'y vais pas doucement, moi, je fonce. Comme un fou. La balance de Ginny. C'est bon, je... Tout ça pour ça. Et je pouvais pas, genre, lui demander... Enfin, disons que niveau objectivité, c'est pas facile quoi de bien voir. Donc maintenant, faut que je parte maintenant, je pense. Attendez, hein, je regarde si j'ai rien oublié. Je bégaye maintenant. Et si j'ai rien oublié, parce qu'on n'est pas prêt de revenir hein, ici. Je reviendrai peut-être même jamais. Bon, c'est bon, on se casse. J'ai tout fait avec. Voyez-vous, le chien. Là-bas. Et en plus, il parle tout seul. Bon, bah voilà. Hein. Là, on a ce qu'il faut. On va pouvoir aller chercher Ginny. Normalement. J'ai juste un achat à faire aussi, il me semble. Mais alors, je sais plus. C'est pas pour les boules puantes. Hein. C'était pour autre chose. Je sais plus. C'est quoi exactement? Est-ce que c'est marqué?
Ah oui, une fiole de potion. Je sais plus où c'était ça. Je ne peux pas entrer. Ah, c'était fermé ici. Je ne peux pas entrer par là. J'ai un achat à faire, mais je sais plus où c'est. Où il faut que j'aille. Bravo. Alors là, c'est un peu le sac. Ah, c'est là-bas, question. Voilà la librairie. Je vais regarder si... Ah, c'était pas là. C'est là, je crois. Pour l'achat que je devais faire. Alors... On va y voir. Ah, si, c'était là. Je pense. Et excusez-moi, combien coûte cette fiole de potion ? Oui, mon mire. Oh, j'ai tout dépensé. Excusez-moi, combien coûte cette fiole de potion ? Bon, oui, bon bah, du coup, je vais trouver une marmille. En fait, des mots puantes, j'aurais pas dû en prendre... Enfin, j'ai pas fait gaffe, je voulais en prendre juste un petit peu, et puis, à cause de ça, là, donc on reviendra plus tard, donc je repère bien, là, c'est ce truc-là, juste en face du grand bâtiment qui est là, ici, voilà, et en face, il y a un magasin avec des cages. Bon, elles sont où les minettes? Ah, là-bas. Te voilà, Harry. J'ai retrouvé toutes tes affaires, Jimmy. Oh, Harry, tu es vraiment le meilleur. Oh, n'en parlons plus. Tu es un si gentil garçon, Harry. Tu mérites un chocobreton. C'est tout? Merci, Madame Wesley. Et des mornies, non? Dédicace son dernier livre chez Fleury et Bottes. Je ne raterai ça pour rien au monde. Tu veux nous accompagner, Harry? Oh, eh bien, d'accord, merci. J'ai pas l'air de trop m'enchanter. Hein. Viens, entrons. Mais que vois-je, serait-ce? Mais si, c'est Harry Potter. Mesdames et messieurs, c'est le moment idéal de vous faire part d'une nouvelle extraordinaire. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'à partir de la rentrée de septembre, j'assurerai les cours de défense contre les forces du mal au collège Poudlard. Et ça doit te faire plaisir, Potter, le célèbre Harry Potter. Laisse-le tranquille, ce n'est pas sa faute. Potter a une petite amie. J'imagine que tes parents n'auront rien à manger pendant un mois après avoir acheté les livres qu'il te faut. Tiens, jeune fille, prends celui-ci. C'est le moins que je puisse faire pour aider les gens dans le besoin. Laisse-moi te donner quelques conseils, Harry. La célébrité est une amie peu fidèle et je ne peux que t'encourager à ne pas jouer avec le feu. Ne te montre pas trop en public au début et fais bien attention à tes fréquentations. Harry! Comment oublier l'époque où j'écrivais mon deuxième chef-d'œuvre, Vadrouille avec les ghouls? Harry, on a raté le train! Je pensais que plus j'aurais de publicité, plus vite ma carrière prendrait son envol. On a raté le train! Mais malheureusement, trop de publicité de nuit. Oui, Poudlard Express est parti il y a 5 minutes. Et ce n'est que lorsque j'ai mystérieusement disparu pendant 3 semaines... Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Tout en
faisant savoir à la Gazette du Sorcier. Eh ben, papa a pris la voiture volante pour aller au travail ce matin. Elle est garée sur Charing Cross Road. Que j'avais été capturé par des trolls dans la forêt de Stockton-on-Tees. D'accord. C'est notre seule chance d'être à l'école à temps. Que j'ai retrouvé la réputation du sorcier le plus populaire du monde que je n'aurais jamais dû perdre. Harry ? Mais... On se retrouve dans la cour du chaudron, Baba. Ok. Ok, et on verra ça au prochain épisode, les gars.